J'en ai parlé au passé, il fallait bien que j'en parle en vidéo. Je parle bien de mon concert. Yo les abos, c'est Monsieur Coulon, j'espère que vous allez bien, mon tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai tellement envie d'en parler, mais que j'osais pas en fait. Mais bon, là je porte mes couilles, je le fais maintenant. Donc je vais parler de mes concerts que j'ai fait depuis toute l'année que j'ai fait de la musique. Hein. Mon premier concert, ça remonte il y a des années en arrière, j'étais en 3ème dans une classe Élise qui en fait, pour ceux qui ne savent pas, est une classe spéciale qui permet d'aider les personnes un peu en difficulté. Je lui avais parlé comme quoi ma passion c'était le piano, que j'en vis avec, que c'est très bien jouer le piano. Et ils m'ont dit, c'est bien, c'est pas bien, on cherche, si tu sais faire le piano ou d'autres, on cherche quelqu'un qui fait le piano pour jouer des musiques pour un groupe de musique. S'appelle Les Sales Gosses. Du coup, ouais, je me suis dit pourquoi pas, ça me fait plaisir d'être dans la musique. La musique, je peux la partager à tout le monde quand je veux. Donc, ouais, c'était une bonne idée. Et du coup, là, je fais les répétitions, répétitions, répétitions. Paf, concert. J'ai joué Glory Box et Big Jet Airplane. Si je m'en souviens là. Où c'est ça? Voici quelques extraits. Donc voilà, c'est bon, vous avez vu les extraits de mes deux premiers. Ça c'était mon tout premier concert, mais vraiment tout premier quand je jouais devant de vrais gens. Oui, c'était moi le truc du claque le chapeau. Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'adore les chapeaux moi. Non oui, du coup voilà, j'étais... par contre, dédicace à vous hein. Dédicace à vous, Monsieur Vaillé, Arthur, Nathan, je sais pas, voilà, dédicace à vous, Cassulis, voilà. Je vous aime tous. Puis mon deuxième concert, c'était pas vraiment un concert, c'était plutôt un karaoké. Très malaisant. Donc oui, j'ai fait du karaoké, mais... Je ne sais même pas si j'ai bu. Mais c'est sûr que je n'ai pas bu. Je sais pas. Et puis merde, je vous passe la séquence, comme ça c'est fait. Ouais. J'en comme une brouette, oui. Puis, voilà, vient le moment venu auquel je m'inscris à l'école de musique. Alors au début, moi je pensais qu'il y avait l'option piano. Et ben, il n'y a pas. Je suis dégoûté. Mais bon, après je me suis dit, est-ce qu'il y avait l'option violon? Mais après, on m'a tellement dit que l'option violon, le violon c'est l'instrument le plus hardcore à jouer, donc je me suis dit putain moi. Ah bah écoute, si c'est violon, si c'est difficile, ouais mes couilles. Donc comme j'adore chanter, entre parenthèses, je chante sous ma douche. Oui. Donc j'adore chanter, donc voilà, je me suis mis en tant que chanteur. La première année ça s'est très bien passé. Les pétitions, j'avais des cours de musique, de solfège, Je sais que c'est un sujet, mais bon, voilà. Pendant l'inscription de l'école de musique, j'avais peut-être les répétitions, mais j'avais aussi les cours de musique, les porte-vues pour prendre les papiers, le cahier de musique et chant avec ça. Il y a l'écriture et la partition où j'ai séché comme une merde. Et ils nous avaient aussi proposé ça aussi, une lecture de notes. Par exemple, allez-vous faire un petit test hein. Allez, do, ré, mi, do, mi, do, mi. Je ne sais plus lire. J'avais aussi des cours de chant avec un prof, ou une prof, parce que je ne vous le dirai pas. Dédicace à vous. Et avec ça, j'ai pu savoir chanter. Alors, comment chanter, j'adore. Donc voilà, j'ai pu m'entraîner. Alors, la musique que j'ai entraînée pour le concert, c'est Aeroplane, Bella Ciao, Je dis M. Et Sally Bunny Sunday qui était une grosse merde.
Donc voilà, donc on répète, on répète, on répète. Parfois, je me suis tapé des délires avec mes copains, avec mon prof. Dédicace à vous, hein, pour ceux qui voient la vidéo. Mais je me suis jamais autant régalé dans les répétitions. Je me régale encore en plus, mais malgré que c'est le confinement et que bah j'ai plus de... voilà. D'ailleurs, je me suis même tapé un petit délire. Donc voilà, après des heures de répétition, des jours de répétition, des mois de répétition, voilà le passage final, le jour J, le concert. Comme d'habitude, je patiente, voilà, je laisse les groupes passer et après, bon, j'ai reçu avant le concert, il y avait eu une répétition. Donc voilà, là c'est le jour J du concert, les groupes passent, les groupes passent, les groupes passent, puis mon groupe il passe. Et moi, je chantais en premier. Je dis M. Je dis M. C'est joli, hein? Donc voilà, alors maman. Alors, ma mère, elle aime pas du tout cette musique, mais qu'est-ce que je peux y faire, car c'était pas moi qui l'ai choisi, c'était mon prof. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, je me chantais la musique. Parce que le mec, on dirait que quelqu'un qui boude. J'ai les ménages nomades. Salaud. Mais après, voilà quoi. Bon quoi, je me suis régalé à faire GDM. Après, j'ai chanté Aeroplane. Voilà. Aeroplane qui était aussi une belle chanson que... Par contre, il y a un truc que j'ai galéré, c'était pour le pont et voilà. C'était le pont que j'ai galéré à mort. Parce qu'avant, je ne savais pas parler rythmement. Enfin, parler rythmement. Sinon, après, je me suis régalé. Pour moi, après, il y a Bella Ciao. Alors, Bella Ciao, je t'explique pas le Bronx que c'était. Malala. J'ai galéré, certes. Mais je me suis quand même régalé. J'ai quand même aimé la musique. Oui, je suis parti des gens qui adorent Bella Ciao. Mais quand même, ça pour moi, Bella Ciao, c'était le plus touchant car je chantais. Et les gens, eux, ils applaudissaient. Ils m'encourageaient. Non, mais pour moi, j'ai pas fait ressortir mon visage, mais au fond de moi, bah, j'avais le cœur qui battait à 200 000 à l'heure. J'étais le plus heureux. Pour moi, Bella Ciao, ça sera mon préféré. Et après, eh bien, ce qui est pour moi la plus grosse des catastrophes. Sunday, Bloody Sunday. Pour moi, je sais pas si vous l'entendrez à l'extrait, mais pour moi, c'est la musique la plus ratée. J'ai pas eu le voix pour, je me suis pas... J'arrive pas à m'entraîner sur voilà quoi. C'était raté et après ce qui m'a fait, c'est que en fin de concert je descends, il y a plein de personnes qui me
y a plein de personnes qui m'ont remercié, qui m'ont dit que je chante super bien et tout. Même une personne, je sais plus qui, m'a dit waouh, tu chantes vraiment bien, tu voudrais participer à The Voice Kids toi. Et j'ai 18 ans. Je devais participer à The Voice Kids alors que The Voice Kids, je sais pas, bon, je suis un peu trop libre pour The Voice Kids. En tout cas, ouais, ça m'a bien fait rire, mais après, voilà quoi. Je me suis régalé. Mais après, voilà, je me suis quand même régalé sur la musique, sur tout. Malheureusement, je suis assez dégoûté car. Je suis assez dégoûté et à la fois rassuré car. Là, normalement, à cause du confinement, on va pas pouvoir répéter, mais d'après mon prof. On va peut-être reprendre les répétitions, peut-être juste pour la fin de l'année ou fin du mois, je sais plus quoi, je sais plus quand. Et du coup, ouais, je sais pas, alors je vous dis la musique qu'il y a à apprendre, que j'ai à apprendre moi. C'est dommage de Big Flo Oli, mais une version un peu plus alternative reggae, puis-je dire. Il y a Very Superstitious de Stevie Wonder. Et Can't Stop de Red Hot Chili Pepper. Alors Can't Stop du coup. Can't Stop de Red Hot Chili Pepper, alors là je suis en train de la travailler à deux heures avec ma prof en plus, et j'espère que ce concert, si jamais il y a un concert, va être une réussite pour moi et pour la classe. Donc voilà, je vais vous parler de mes concerts qui est pour moi qui était très bien et à la fois malaisant pour certains d'autres. Pour moi la vie c'est la musique, pour moi c'est le piano et le chant. Gros big up à ma classe de musique, à ma classe de l'école de musique. Big up à tous, à vous tous même. Mais en tout cas, voilà la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à partager à vos familles, à vos frères, à vos potes, à vos chiens, à vos chats, à vos poissons rouges. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas. Et n'oubliez pas la cloche pour rater aucune notification de ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre dans tous les réseaux sociaux dans la description et à mon compte Discord. C'est là où je publie régulièrement et c'est là où mes vidéos se publient aussi. Dans ce cas, je vous retrouve pour le prochain compo et la prochaine vidéo. Ciao les abos. I love the magic day. I've always liked it with fire. Whoa, whoa, whoa. I've always loved to play.